Ah, bah, c'est notre ami. Le père des gagnants de groupe 1. Le père de Richester, notamment. C'est Marc Pimbonnet. Combien offre-t-on? 30 000. Qui achète pour. Le 19 pour monsieur, j'ai oublié son nom, qui avait gagné l'Euro Million il y a deux ans. D'accord, il y a deux ans, qui avait pas mal acheté au ventre d'octobre. Ah oui. D'accord. 35, 40, 45, Laura, 45 000, 50, 50 000, 50 000. Oula, oula, on s'enflamme là. 60 000, 60 000. Le numéro 20. 70 000, 70 000. À 70 000 à droite, l'enchère. Filifrage, le premier produit de Ferlifère, une fille de Sindar. Et non de l'Istud. Plus vous l'aura l'enchère à 90 000, 300 000, Guillaume. Rehaussé là. Oui, la clochette à 80 000. C'est Laura de Saint-Père qui nous présente cette fille d'Ifrage. Laura de Saint-Père qui cette année a décidé de vendre tous ses poulains aux ventes d'octobre. Et qui pourra réaliser les top price. Vous l'aura l'enchère à 130 000. Une belle pouliche d'Ifrage à 130 000 euros. Je rappelle pour l'instant le top price. 140 000 euros pour le frère d'Almanzor. À droite. Pas vous, Julie, pas vous, Guillaume. Et qui est battu désormais. Le rat de Saint-Père, c'est Andreas Pouch. Guillaume contre vous, pas vous, Julie. 170 000 à droite, l'enchère. François Rau, l'un des entraîneurs du Soara, est autour du ring. 190 000, plus vous, Guillaume. À 190 000, à 200, 200 000, 200 000. 200 000 euros désormais pour une nièce de Fairly Ransom. Fairly Ransom gagnante de groupe 2. 210, c'est à gauche, Guillaume. Qui était talon. 210 000. Toute bonne qui fut la propriété, si je ne me trompe pas, d'un certain François Lopé. Et pas vous, Julie, qui est entraîné par Marcel Roland, et qui est désormais talon en Angleterre. 220 000 à droite, l'enchère. Toute bonne pouliche d'Ifrage, la mère gagnante de l'Istud, un tout bon pédigré, à 220 000 euros. À 220 000 euros, plus vous, Guillaume, c'est bien vu, l'enchère est par Dominique. À 220 000, et on va la juger, c'est bien vu, pas de regret. 230 000. 40. 240 000. 250. À 240 000, l'enchère à nouveau à droite, une toute bonne pouliche d'Ifrage. Tête Vaut qui est là. 250 000. Et... Laurent 250 Benoît. 250 000 plus vous. C'est Laurent Benoît. 250 000. Qui est battu pour l'instant. Laurent Benoît est battu. À 250 000, l'enchère contre vous. L'enchère est en face par Julie. Fini ici. À 250 000, cette toute bonne pouliche d'Ifrage. Fini, pas de regret à droite. C'est bien Laurent Benoît qui est battu pour l'instant. On a de juge. 250 000, Julie.